Salut les loulous, c'est Soma! Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo de Quoi de Neuf ce dimanche et on va découvrir ensemble les loulous, un nouveau jeu de survie sorti le 19 mai 2022 au prix de 4,99€ sur Steam hors promo. C'est en anglais, c'est développé et édité par un studio chinois dont je n'ai pas le nom parce que le nom justement écrit sur Steam est en chinois, donc bon bref, ça aide pas, pas de support manette, pas de rebind des touches, le jeu s'appelle Beastmaster, c'est un jeu de survie solo, et on va voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Donc on est parti pour une petite demi-heure. Les settings juste au niveau de l'audio j'avais réglé mais ça a l'air d'avoir sauté. Alors déjà je vais couper la musique et on va mettre à moitié. On verra bien ce que ça donne. Back. New game. C'est parti. Alors j'ai encore quelques petits jeux de survie, on va dire entre guillemets basiques, hein, c'est pas péjoratif, mais sous la main, vous présenter. On est jour 1. Alors la particularité de ce jeu de survie, quand j'ai regardé un peu les images sur Steam, c'est que la vue est un peu une vue à la Force of Nature, 1 ou 2, hein, comme vous voulez. Une vue de dessus. Qui est pas forcément de 3 quarts. Donc on est jour 1, on a notre personnage ici avec une barre de stamina de faim et nos PV. Ici on a une petite tente, je sais pas trop à quoi ça correspond. Ok, c'est les crafts. Très bien. Les raccourcis clavier ici. La petite map. Ok, sur laquelle on va pouvoir mettre des marques. Les crafts qu'on va faire pour pouvoir faire sur nous, je suppose. Et enfin, notre inventaire qui est géré par 14 slots. Pas l'air d'avoir de poids. Et on va pouvoir aussi mettre une arme ou un outil, j'imagine, ici. Je vais passer en QWERTY, je vais encore baisser un petit peu le son. Qui n'a pas l'air de s'être baissé, mais c'est assez bizarre. Ah oui, c'est très bizarre en fait, d'accord. Bon, là, ça devrait être bon. Back, continue. Alors, on est parti. Donc, on peut pas sauter, on peut marcher, courir, ZQSD hein, pour les contrôles. Oula. Quand je fais E, ça fait rotate. D'accord, et avec A aussi, mais la rotation est très bizarre. J'essaie de me remettre droit par rapport à tout à l'heure. Voilà. Très bien. Alors, je voulais voir. Alors, on n'a pas l'air d'avoir d'outils. Des branches. Des parties de pistolet pour le pistolet. Des os pour le couteau, des branches pour cette espèce de truc bizarre. Ah, c'est un arc! Faudrait que je lise les noms en fait, hein. Ok, on peut faire de la médecine. Alors, comment on va farmer sur ce jeu? Ok, donc on clique directement sur les choses. Donc les petites branches, on les voit par terre. Faut juste être attentif, il y en a une ici. Non. Voilà, branche. Alors je peux cliquer directement quand je suis à côté ou je peux aussi appuyer sur F. Il faut que je passe mon curseur dessus en fait. Donc là, il faudra du... Pour les constructions, il faudra du bois. D'accord, donc là on a deux onglets. Et ici, par contre, j'en ai vraiment qu'un. Bon, par exemple, on peut se faire ça. Qu'on va équiper ici pour la nuit, au cas où. Je peux me faire l'arc. Que je vais équiper là pour l'instant. Et si je trouve d'autres branches, je pourrais me faire des flèches. Alors, ne pas faire échappe, ça ne fonctionne pas. Il faut cliquer ici. Alors, c'est pas très pratique. Bon, bah, on va s'aventurer un peu dans la nature, hein. Alors, est-ce que je peux ramasser des petites pierres comme ça? Oui. Et bien sûr, les grosses, non. Alors, ce qui m'étonne, c'est qu'on n'ait pas d'outils à craft au départ. Je trouve ça un petit peu bizarre. Pas l'air d'avoir de fibres.
Non, celle-là va être trop grosse. Je vais revenir sur la plage pour avoir des branches parce que là, en fait, il n'y a plus d'arbres. Essayer de retrouver des branches. Alors, je trouve, hein, on peut pas zoomer, dézoomer non plus, hein, pour info. Je trouve la visibilité pas terrible, terrible. Pour les branches, hein, pour ramasser les branches, pardon, je précise. Là, j'en vois pas. Alors, si ça tombe, il y en a, mais j'en vois pas. Ah, j'ai mon petit poussin qui vient de rentrer dans la chambre. Je ne sais pas ce que fait sa mère. Elle est censée le garder. La pierre. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux plus bouger. Ah bah c'est pas mal ça. Je suis coincé les loulous. Je peux plus bouger. Je peux me tourner. En faisant un clic droit, on peut réorienter notre perso. Clic gauche, hein, c'est juste pour ramasser les items. Mais je peux vraiment plus bouger. Ah bah ça commence bien. Ah attendez, je vais faire ça. Est-ce que ça va me décoincer de faire ça? Yes. Ok, bon, ça va. Ah, mais j'ai plus mes items. Pourquoi? Ils se sont déséquipés, juste en fait. Ok. Bon, par contre, clairement, les branches. Ah, il y en a une là. Alors, on va regarder les crafts de flèches. Le son, c'est reset, par contre. D'accord. Et si je fais... Ah, attendez. Le jeu est pas optimisé, hein. Vraiment, c'est... Voilà. Il y a des gros soucis, je trouve. Alors, si je fais... D'accord. Ok. Donc on a un craft de flèche égale une flèche. Hein. C'est pas énorme. Alors je sais pas à quoi vont me servir les... Les pierres pour l'instant. Donc on va s'avancer un peu. Alors sur la map, je sais pas trop où on est. Alors si on est ici, on va essayer d'aller au centre de ce POI là. Au centre de la map en fait. Hein. Allez, on verra bien ce qui se passe. Ah! Ah, c'est des pierres qui se sont effondrées ou... Ouais, c'est assez étonnant. Alors, on n'a pas croisé âmes qui vivent pour le moment, mais bon, méfiance parce que on sait jamais. Ok, donc je suis déjà là. La map a pas l'air très grande à parcourir à pied. Hein. Ok, c'est un point d'eau. Donc c'est une espèce de marais en fait. Ce que je ne comprends pas, les loups, pour l'instant, c'est que je n'ai rien pour farmer du bois pour faire les constructions. Donc c'est assez bizarre. On a pu se faire la torche et un arc et des flèches, mais c'est à peu près tout. C'est pas violent, du coup, de ce côté-là. Et sinon, dans la catégorie survie... Alors ça, c'est quoi, ça? Yopeng, je ne sais pas ce que c'est. On peut faire une torche qu'on pose par terre. Une table à outils.
Donc un coffre, un lit. Woods, 8 KO. Oh, ça va. On dirait une mangeoire. Là, un pot pour des plantes. Et là, une maison pour tamer des animaux. À première vue, pet mating house. Donc, seul problème, c'est que pour commencer à faire tout ça, il me faut branches et rochers. D'accord. Ça, c'est du bois, mais je sais pas comment faire du bois. Bois. Alors ça, je sais pas ce que c'est, mais on peut essayer de le faire. Faudrait juste que je retrouve des branches. Alors le problème, c'est trouver des branches ici. Ça me paraît compliqué vu qu'il n'y a pas d'arbres. Ça me paraît très compliqué. Des pierres, on en trouve assez facilement dans cette partie du biome, on va dire. Mais alors les pierres. D'accord. Je pourrais aussi essayer d'aller voir ici, là. Et il y a un cycle jour-nuit. Et clairement, on n'y voit pas grand-chose, hein. Ah, on peut se battre avec la torche. Ok. Alors, il n'y a pas de... Si, il y a un raccourci clavier pour la map. J'ai rien dit. J'allais dire qu'il n'y avait pas de raccourci clavier, mais si. Donc, s'il y a possibilité de se battre sur le jeu, ça veut dire que techniquement, il est censé pouvoir y avoir des ennemis, hein. On est presque arrivé. La gestion de l'ombre est assez bizarre. Donc là, je fais tour de cette espèce d'amas de roches là, ce rocher, ce gros rocher qui était un peu indiqué sur la map, mais il n'y a rien de particulier. La map est pas très claire, hein. Ah, on peut zoomer par contre sur la map, ça j'avais pas vu. Mais on voit pas spécialement de POI. Là, il y a quatre rochers un peu alignés en diagonale. Là, c'est tous les rochers du départ. On peut aller voir ici qu'il y a, ça a l'air assez désertique. Ah, faut pas faire échappe, décidément. Donc, plein est. Ok, une branche. Il y a des branches ici. Par contre, faut vraiment les voir, hein. Faut vraiment les voir. Là par contre on a de la colline. En fait cette zone a l'air fermée. Regardez. Pour ça peut-être qu'il n'y a rien à l'intérieur. Bon, on va aller voir la case en dessous à droite. Quel type de... Ok, on retombe sur des grands arbres. Oh, d'ailleurs ça cache pas mal la vue quand on est dessous. Est-ce que c'est B pour le sac à dos? Non, B c'est la construction. L'inventaire c'est donc I. Alors j'ai qu'un seul stick. Je dois vraiment louper quelque chose. Enfin, je... J'avoue, je comprends pas trop. Ah, là on trouve des bananes pour se nourrir. Alors ça, c'est plutôt pas mal ça. Banane. On va mettre ça en 7. Ah là 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 là, je vais pas m'y faire à ça. Bon allez, encore une. On va en prendre d'autres. Ah oui, le bananier il est en surbrillance. Ah, c'est juste pour prendre la banane qui était derrière, d'accord. Bon.
Bon, bah je sais pas trop quoi penser. D'accord, j'ai rien loupé là. Hein. On peut faire une recherche par nom, mais je vois pas l'intérêt non plus. Ça trie pas quand je tape. Si je tape par exemple, comment s'appelle le truc en haut? Médecine. Ah oui, mais c'est vrai que je suis en QWERTY du coup. Ça a pas l'air de fonctionner. Hein. Quoi qu'on peut taper aussi en bas. Bon. Donc là, on est ici. Donc là, c'est un champ de bananes. On va descendre plein sud. On va explorer un peu tous les biomes. Hein. On va pas se priver. Alors, ok. Voilà, rien de spécial, hein. Bon, pour l'instant, ça me laisse un. Ok. Bon, bah voilà. On est mouru. Je me suis fait défoncer par. Bah, on va recommencer. On va faire une nouvelle partie. Je me suis fait défoncer par. Je sais pas ce que c'était d'ailleurs. Allez, c'est reparti. Jour 1. Donc, au message de mort, on nous a dit qu'on n'était pas prêt à reprendre la mer, hein, grosso modo, je pense. C'était ça que ça voulait dire. Donc, on va faire en priorité pour la nuit suivante. La nuit qui va arriver, la torche. Voilà. Ça, qu'on sait que c'est important. La torche qui a pas l'air de m'avoir aidé beaucoup à me défendre. Hein. J'aurais dû passer sur l'arc. En même temps, il m'a tellement fait mal là, le bestiau qui m'a attaqué. C'était peut-être un loup ou un truc dans le genre. Alors ici, on a plein de pierres. On va les prendre. Ok. Alors maintenant, je voudrais des branches. Voilà. Des branches, des branches, des branches. Il y en a plein là. Calme-toi, calme-toi. Respire, ça va bien se passer. Pas une branche, ça non. Ça oui. Ah si, ça c'en est une aussi. Ok, alors maintenant on veut. On va se faire 1, 2, 3, 4, plus l'arc. Toi tu viens là. Ah, pour l'instant je vais te mettre en 1. Il me reste 2 sticks. Il m'en faudrait 2 de plus. Pour voir ce qu'il y a un peu l'autre craft là dans la partie survival. Le premier craft qu'on peut faire avec des branches et des pierres. Comme le nom me parle pas du tout. Donc là on est en bord de mer. On est au plus en bas à gauche de la map, je pense. Voilà, je suis pas prêt à voyager maintenant. Un truc dans le genre. Donc, on peut faire ceci. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça a l'air d'être une espèce de bras zéro en fait. Hein. Donc bon. Dans l'absolu. J'avoue, je comprends pas le délire là de. De pas avoir d'outils et de pas pouvoir farmer en fait les rochers, les arbres. Alors encore les rochers on s'en fiche pour l'instant en tout cas.
Alors pas trop de pierres, parce que ça va me prendre toute la place de mon inventaire. Elle se stack que par 6. Ou par 5, je vois pas bien qu'est-ce qui est écrit, ça doit être 5. Je vais me faire une flèche en plus. Voilà, j'en aurai 5 aussi. Alors là, techniquement, on pourrait avoir des bananes aussi, mais j'en vois pas. Ah si, ça y est. On va mettre ça là pour manger. Alors, de jour, on les voit pas très bien, les bananes, en fait, hein. Donc là, on est aussi sur un champ de bananes. Donc, comme ici. Et c'est ici qu'on s'est fait attaquer. Là, quelque part, dans ce carré-là. Bon. Ah, mais j'ai compris, les bananes, elles sont pas au sol en fait, elles sont sur les arbres, regardez. Je pensais qu'elles étaient au sol, moi. Donc là, on a de la banane. Ok, donc c'est facilement farmable. Alors, je vais juste vérifier un petit truc, les loulous. Parce que je trouve ça bizarre quand même. Il y a effectivement pas mal de craft. Dans les barres de raccourcis, là, que je regarde sur les images de Steam. Je suis sur Steam, là. En train de regarder. Je vois jamais. Là, il a une machette. Je vois pas d'outils, en fait. Je vois clairement pas d'outils. Donc là, il s'est fait la table de craft, l'atelier, quoi. Tout cas, dans les barres de raccourcis sur les screens, il n'y a jamais rien. C'est... Ouais, c'est bizarre. Du coup, je vois pas comment on peut faire... vous voyez, les fondations qui sont ici. Où il faut 6 de bois, 2 de pierre. Je vois pas comment on fait ça. Alors, j'ai pas essayé... attendez, continuez. J'ai pas essayé de taper des arbres. Mais en même temps, je peux pas. À part avec la. Avec la torche, mais. Alors, est-ce que vous pensez qu'ici il va y avoir des arbres? Je suis pas convaincu. Il faudrait peut-être que je revienne au départ. Des vrais arbres, je parle, hein. Les bananiers, on peut pas. Je viens de tester. Il y a forcément un truc, hein. Il y en a aussi par terre des bananes, hein. Il y a les deux en fait, dans les arbres et par terre. Donc des arbres justement. Alors pas de durabilité, hein, sur les objets à première vue. Donc toi là. Bon, je peux pas, hein. Je peux pas farmer ces arbres. Non. Comment récupérer du bois? Ça tombe, il y a un spot dédié. Du coup, vu qu'on n'a pas d'outils. Et il faut le trouver. J'ai pas d'autre explication. Donc je vais équiper mon arc. Au cas où je me fasse à nouveau attaquer. Je suis ici tout en bas. Donc on peut tracer, hein. Là, on voit des rochers tomber, hein. Il y a des animations d'effondrement où c'est les ressources qui spawnent, je sais pas trop, quand on s'approche. Mais j'ai pas encore vu ça pour du bois. Il y a que deux possibilités de toute façon, hein. Soit le bois se forme directement par terre, j'ai pas trouvé sur quoi.
ça c'est une branche. Soit il y a quelque chose qui m'échappe au niveau de des outils. Alors, ok, je suis au bon endroit. On va pouvoir remonter. Alors, attention aux aux animaux si je me fais attaquer. Donc ça c'est vraiment, ça fait vraiment arbre. D'ailleurs, il y a un truc par terre là, une pomme. Ah, regardez, ce serait pas du bois ça? Ok, donc le bois se farme directement par terre. Donc c'était une des deux idées que j'avais via un biome spécifique. Bon, c'est spécial. C'est quand même très spécial du coup. Et la nuit est en train de tomber. C'est quand même très spécial. Je crois qu'il fallait 6 de bois. La vue est aussi assez mal gérée, je trouve, dans le sens où quand on est sous les grands arbres, on voit rien du tout de ce qui se passe au sol. Donc ouais, il me faut 6 de bois pour faire une fonda. Et sinon, pour faire juste l'atelier, si on veut voir s'il y a d'autres crafts. C'est 6 de bois aussi, donc je pense qu'on va commencer par l'atelier. Faut juste que je retrouve des... Bah, faut juste que je retrouve du bois. Alors, c'est bizarre de ne pas avoir d'outils pour pouvoir farmer. Problème, c'est quand c'est vu que c'est dans cette case, hein, donc en fait la map c'est un grosso modo hein, c'est un 3 par 3 et c'est ici que je me suis fait attaquer, j'ose pas trop m'avancer en fait. Alors je peux peut-être faire une sauvegarde ici. Voilà. Ça je pourrais toujours la reprendre au cas où. Donc 5 de bois, il m'en manque plus qu'un. Voilà, 6. Alors, on va aller sur la plage pour pas prendre de risques. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est une branche. Puis c'est surtout sur la plage où il y a de la place pour craft. Voilà, on va se mettre là. Donc, on peut faire ceci. Ah bah, à première vue, non, le jeu ne veut pas. Donc ça, oui. Je ne pige pas. Pourquoi je peux pas cliquer dessus? C'est incompréhensible. Alors là, ça doit pas être 6, ça doit être 8. C'est tellement écrit petit en même temps que donc je peux pas le faire, je peux pas faire de fondation. Ah, est-ce que je suis obligé d'avoir une fondation pour faire ensuite les crafts? Alors c'est ça a aucun sens. Alors par contre la nuit est a l'air beaucoup plus longue que le jour aussi. Petite remarque, hein. Alors le problème c'est que du bois, pas de n'avoir 50. Hein. Ok, donc là on est en limite de map. Ok. On est à 7. Bon, j'aime pas du tout le principe de farming de ressources. C'est pas logique.
Donc là, j'ai 9 de bois. Bah, il m'en faudrait 4 si le principe c'est de d'avoir une fonda avant de pouvoir crafter l'atelier, mais bon, c'est assez étrange. Ok, on va se poser là. Donc, construction, fondation. On va mettre ça ici. Il nous faudrait un petit escalier. Donc, du coup, il me faut du bois en plus pour pouvoir monter. Sinon, je peux pas monter sur ma fonda. Donc, il faut que je remonte là-haut et je retrouve du bois. Je sais pas le taux de respawn des ressources, mais il y a intérêt à être rapide parce que, vu le peu de bois qu'on peut farmer, ça me semble compliqué cette histoire. Voilà. Ah, je peux toujours pas. Combien j'ai de bois? J'ai 3 de bois. Alors, ça doit pas être 3. Mais je vous avoue, je vois rien. Ça, c'est 8 encore? Ça doit être 8. Bon, bah, il va en falloir du bois. Dites donc. Je suis pas sûr qu'on arrive à faire l'atelier, hein, parce que j'en suis à combien là? J'en suis à 6. Ah, les escaliers sont gourmands. Hein. Alors, 7. Allez, un petit dernier pour la route. Huit. Ok, alors maintenant, retrouvons notre fondation. Ça, c'est pas gagné non plus. Ah, elle est là, on a de la chance. Donc, tac, tac. La rotation, je sais plus ce que c'est. Et puis, il nous donne plus l'info. Ah, surtout pas faire clic. Alors l'escalier ne me semble pas adapté à ma fondation. Super, parce que là, vous voyez, je peux pas snap de toute façon. Donc le snapping est... Faut le faire à la main comme ça? Bon, à première vue. Ok. Bah, j'ai toujours pas de... J'ai toujours pas de bois pour faire ensuite la table de craft. Donc on y retourne. Donc il m'en faut. Il faut à nouveau du bois. Alors ça a l'air de respawn assez rapidement. On en est à 3. Ok, donc tool table, l'atelier à outils hein, quand même. Tool table, plus c'est même pas en fait un une table de craft, une workbench, un atelier, l'appelez comme vous voulez. Par contre, ah si, ça y est.
Alors. Bah écoutez, soit je suis débile, soit il y a un souci, hein. Use tool table, F. Quand j'utilise ça, ça move les crafts qu'on pouvait déjà faire sur nous. Et surtout, ça n'a rajouté aucun craft. Donc je comprends pas le délire de cette table de craft non plus. Donc on a compris le système pour faire notre petite base, nos fondas, tout ça, nos murs, etc. Alors par contre, il n'y a pas l'air d'avoir de système pour snapper les choses. Il faudrait que je vérifie avec une deuxième fondation, parce que l'escalier, impossible à snapper l'escalier. Mais au niveau de la table de craft, elle a l'air de servir à rien du coup. Vu qu'on ne peut pas... Enfin, il n'y a pas de nouveau craft en fait dessus. Donc je comprends pas l'idée. Je ne comprends pas du tout. J'ai juste testé de voir si les fondations se snappent entre elles. Et puis on s'arrêtera là, les loulous, parce que là, je suis pas plus convaincu que ça. Il me manque deux de bois. Allez, encore un. Voilà. Ok. Alors maintenant, le tout, c'est de retrouver notre fameuse fondation. Ça doit forcément être par là, voilà. Vous voyez, l'escalier, je l'ai très mal mis, hein. Et donc on fait ça. Ouais, ça se snap pas en fait, hein. Oh l'horreur! Donc faut tout viser manuellement à la main. Genre comme ça, quoi. Bon. Et écoutez les loulous, on en a fini avec la présentation donc de ce jeu. Donc je vous rappelle Beast Master, développé par un studio chinois dont j'ai pas le nom. Bah, je suis pas franchement emballé. J'aime bien le principe des jeux de survie aussi de type vue à la Force of Nature, tout ça. Mais on est quand même loin de la qualité de ce dernier. Alors le jeu en plus est sorti hein, définitivement. Donc il est pas cher, c'est l'avantage. Je suis pas sûr qu'il y ait un gros suivi sur le jeu derrière, mais bon après je m'avance peut-être un peu trop hein, par rapport à ça. Mais bon, le système de construction pour moi il est à revoir. Parce que tout placer comme ça manuellement quand on va devoir monter les murs avec cette vue-là, ça risque d'être très compliqué. La table de craft qui ne sert à première vue à rien. Ou alors j'ai vraiment pas compris le délire, mais mais bon voilà. Hein, F, use tool. Il n'y a rien de plus hein, que les 6 crafts qu'on a dès le départ. En cliquant tout simplement ici. Hein. Donc il y a ça, le changement d'angle qui est très bizarre. Alors, avec l'image qui tremblote comme ça là. Voilà. Et bah pas beaucoup de vie dans le jeu. La seule bestiole qu'on a croisée nous a dézingué tout à l'heure. Donc je suis pas sûr qu'il y ait sur le long terme beaucoup de choses à faire. Donc comme d'habitude les loulous, bah vous. D'accord. Donc on vient d'avoir un grand hurlement de loup. Mais c'est. Ah d'accord, ça spawn comme ça. Pas tirer. Je peux pas tirer. J'ai pu tirer deux flèches. J'ai pas vu d'impact. Il m'a semblé pourtant que je tirais sur le loup, mais ok. Donc les loups spawnent comme ça à l'arrache. Bon, pourquoi pas. Donc voilà, comme je disais, vous me direz bah, ce que vous en avez pensé. Moi, j'en pense pas grand-chose, malheureusement, c'est dommage. Je vous laisse là-dessus les loulous, et puis bah je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.